Nagai yoluga yagate akeru hito no koe ga soto toru. Ah oui. Ah oui, carrément, la musique de circonstance, oui. Alors, avant de parler Marquis, je voulais d'abord saluer Karine qui nous a rejoint, Karine Tessandier. Et si vous étiez avec nous hier, vous l'avez vu, hein, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention, puisqu'elle nous a proposé un parmi les goûters pour la rentrée que vous nous avez effectivement imaginé. C'est vous qui avez inventé ces recettes, au fait, je me suis posé la question. Parce que nous, les mamans, on ne sait jamais quoi mettre dans les cartables. On met finalement toujours un peu la même chose. Les petites gourdes, là, alors, vous savez, hier, avec les on avait de la barre de céréales maison. Et là, aujourd'hui, c'est du salé. Oui, parce que figurez-vous que dans les goûters, il y a une tendance aussi qui est d'éliminer le plus en plus de sucre, notamment le sucre, voilà, on le sait que ce n'est pas très bon pour la santé, on essaye de limiter ses apports. Donc l'idée, en faisant les goûters maison, c'est de maîtriser la composition. Donc hier, on a fait des petites barres de céréales maison et aujourd'hui, on va faire un petit sandwich. Mais un sandwich pour les enfants, il faut réussir à les séduire. Donc on va utiliser du pain, du beurre, du jambon, mais on va les préparer différemment. Et pour le goûter, c'est super, mais pour les pique-niques, pour les petits apéros aussi dînatoires, vous allez voir que c'est une idée. On glisse du goûter chipper de l'enfant vers l'apéro des parents. Exactement. Il en faut pour tout le monde. Alors, on va regarder les ingrédients nécessaires pour réaliser ces maki sushi, parce que la préparation est différente. Du pain demi, du fromage frais, du jambon, des carottes, un petit concombre et un petit peu de beurre. C'est 10 minutes de prépa. Vous allez voir, tout est vraiment dans l'idée de présentation. Donc, on prend son pain demi. Si besoin, on enlève la croûte. Celui-là est directement sans croûte. Et avec mon rouleau à pâtisserie, je vais l'étaler très finement. Ensuite, eh bien, on va préparer ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, on prend une carotte, on l'épluche, on coupe les extrémités et on va faire des petits bâtonnets. Là, j'ai pris des carottes fan, mais peu importe, vous prenez une carotte. Le concombre. On va également couper les petites extrémités. Vous pouvez l'éplucher si vous le souhaitez, une bande sur deux, totalement, comme vous l'aimez. Et ensuite, de la même manière, on va faire des petits bâtonnets de concombre. J'aurais pu prendre de la courgette crue, c'est très bon. Ouais. Mais j'ai pris des choses qui passaient quand même plutôt facilement avec les enfants. Carottes, concombres. Et là, on fait le sandwich. Alors, comment on s'y prend? On va mettre un petit peu de beurre, comme on le ferait sur un sandwich classique. Ensuite, on va disposer ce qu'on vient de préparer. Donc, les légumes et on va rajouter du jambon. Je vais prendre une demi-tranche parce qu'il faut quand même que ça rentre. Pour le moment, évidemment, les tailles ne sont pas parfaites, mais on va recouper tout ça dans un instant. Donc, je mets mon jambon, je vais disposer le concombre, la carotte. Et là, on va rouler. Alors, pas d'algues, pas de nori pour rouler mes makis, pas de petites, vous savez, morceaux de bambou. Donc, on roule, si vous voulez, le maki. Et je vous montre dans un moment comment on découpe. Là, c'est une autre version avec du fromage frais. Au lieu de mettre du beurre, vous pouvez vraiment varier les plaisirs. Pour l'apéro amélioré, vous pouvez mettre du caviar d'aubergine, un peu de guacamole. Vous pouvez varier les plaisirs. Et là, voyez, comme c'est bien compact, le pain se tient bien. On coupe les extrémités nettes et on fait des petits morceaux. Et forcément, on met dans une petite boîte à goûter pour le transporter facilement. Mais voyez, moi, je trouve qu'un petit apéritif dînatoire, voilà, ça fait son effet. Même au pique-nique, c'est facile à manger. Ça dégouline pas, on s'en met pas partout. Une petite bouchée et en avant. Cuisine pour tous. Et alors, la super idée, en fait, dans l'histoire, c'est le coup du rouleau à pâtisserie sur la tranche de pain. Oui. Alors, on peut prendre, évidemment, du pain aux céréales, du pain de mie complet, mais il faut bien étaler son pain. Ça va compacter la mie et ça nous sert de support pour envelopper ce que l'on met à l'intérieur. En plus, c'est joli. Oui, puis ça se mange, bien sûr, toujours avec les doigts. Donc, c'est vraiment bien adapté au goûter. Demain, on reste le goûter. Parlons-en. Vous êtes sûr qu'on ne glissera pas vers l'apéro demain? Non, là, franchement, non. Quoi qu'un apéritif dînatoire, on a toujours des petites bouchées sucrées à la fin. Ouais. Parce que demain, je vous propose un pain aux bananes. C'est une façon de réutiliser les bananes qui seraient trop mûres. On ne gaspille pas. On va faire ce beau pain aux bananes, ou cake aux bananes, hein, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment très moelleux, on peut le portionner, le consommer toute la semaine, et ça nous rappelle quand même nos goûters avec le pain et la barre de chocolat. Franchement, il n'y a rien de meilleur. Oui, puis ça donne le sourire, puis ça nous rappelle quand Ray Ventura et ses collégiens chantaient qu'il aimait la banane parce qu'il n'y avait pas d'os dedans. Oui. Merci Je vous en beaucoup. Prie, à demain. À demain.